Well, bonjour ou bien bonsoir à tous les amis, comment nous y m'espère en forme? Si nous regardons la vidéo, c'est que nous là toujours, nous dit papa bon Dieu, qui en haut dans le ciel là, un gros merci parce que le fait un cadeau, un jour en plus, non pas c'est MPH, moi passé pour me fournir une information. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais parler d'un gros sujet, je vais parler de vol sur une âme, yo. De questions voyage sur une amio et me pral parler de ça en détail cap mando pour qu'il y ait un peu de patience et pour qu'il comprenne bien ça me pral dit là sous son agence de voyage et spécialement qui gagne cob dans pays Suriname sous son monde cap voyager qui gagne l'argent dans pays Suriname me pral dit ou ça qu'a fait qui sont doué faire qui ça qu'a fait dans moment coulia là OK parce qu'il gagne pile malversation qu'a fait et me vini pour me parler de yo. Donc, semaine prochaine, disons vendredi ou samedi prochain, je vais faire une autre vidéo. Et l'autre vidéo, ça a bien des faits qui sont plus concrets là-dedans. Donc, moi, j'espère que vous prenez une chaise bas pour être capable d'entendre ça. Me dit là. Donc, nous connaissons depuis en avril dernier. Donc, il y a un dernier vol qui était fait dans le pays Suriname. Et depuis lors, pas un vol fait dans le pays Suriname encore. Pour qui ça? Raison simple, c'est parce que yo qualifié vol qu'a fait dans le pays Suriname yo de trafic humain. Et dans trafic humain, yo ouvri yon enquête qui pour que jambe fermé. On regarde là qui dit immigration en Guyane, 6 vols charter en provenance d'Haïti. OK? Il dit depuis quelques semaines, faut comprendre note ça pour qu'a connait qui ça fait vol Suriname yo campé. Et puis malgré en pile data bay ou yo pour que jambe ka bay. Raison simple, c'est parce que enquête là, les pour que j'aime terminer. Donc vol sur une amio a l'ouvri, les enquêtes là terminées. Tout temps enquête là pas terminée, donc vol sur une âme pour qu'on ca ouvri. Depuis quelques semaines, les demandes d'asile de la part des ressortissants haïtiens sont en nette augmentation en Guyane. Et particulièrement à Saint-Laurent du Maroni. La venue en 15 jours de 6 vols charter avec 600 personnes originaires d'Haïti au Suriname, pays voisin de la Guyane, en serait la cause. Donc, il dit, là, c'est français ou comprendre français, ça veut dire demande asile, il a augmenté dans le pays Guyane française. Donc, mais il dit qui ça cause ça, c'est Suriname qui a cause 600, donc 6 vols charter avec 600 personnes rentrées, augmentées. Dans le pays, donc à cause d'un paquet de monde qui a passé sur une arme illégale. Je dis, il y a une dizaine de jours, un grave accident a eu lieu sur la route entre Moengo et Albina, faisant 7 victimes qui ont été prises en charge par les secours français et transportées au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais. Toutes les victimes d'origine haïtienne se rendaient à Saint-Laurent du Maroni afin de demander l'asile. C'est ce qu'a révélé Guyane, la première qui précise que depuis 3 semaines, le nombre de demandeurs d'asile à la frontière a considérablement augmenté. 6 vols charter ont été affrétés en 15 jours en Haïti et le Suriname, entre Haïti et le Suriname, transportant ainsi 600 personnes munies de visas touristiques. Dans tout vol, il y a 600 personnes qui entrent sans visa, parmi lesquels 65 enfants non accompagnés, 65 petits personnes qui n'ont pas grand monde avec eux qui sont rentrés. Le nombre inhabituel de demandes enregistrées à la sous-préfecture a mis la puce à l'oreille des autorités préfectorales de la Guyane qui ont alerté l'ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly. Donc, là, il y a une quantité de gens qui augmente dans le pays Guyane française qui vient demander asile. Un paquet de gens qui n'ont pas grand monde avec eux et qui ont sans visa. Ok, 65 personnes qui n'ont pas visa pour rentrer sur une âme. Donc, il y a été consulté l'ambassadeur français qui c'est Antoine Joly. Antoine Joly déclare que, attention, ça t'a déjà attiré l'attention, elle tendait situation, hein, et aussitôt que qui ça le fait lui-même, il t'a déjà contacté l'autorité sur une amio pour le connaître qui ça passé. Donc, m'a résumé pour vous, pour que notre lampe pas trop long, ok, pour le pas trop long, pour que vous-même,
ou capable de gagner une idée claire de ce qu'a fait là. So, il dit aussitôt que j'ai saisi officiellement les autorités surinamaises pour comprendre. Rapport Guadeloupe, la première, le Suriname qui a confirmé la venue des 6 vols charters depuis Haïti a été également surpris. Ok, d'autre que l'espace aérien est fermé en raison de la crise sanitaire le 16 avril, incitant ici le président du pays, Sean Santoki, a lancé une enquête. Voilà, donc depuis le gouvernement Suriname a lancé une enquête. Est-ce qu'elle nous comprend? Donc, il lance une enquête et il lance enquête ça sous la demande de qui? Il lance enquête ça sous la demande de l'ambassade de France. L'ambassade de France qui, dans Suriname, c'est lui-même qui demandait pour enquête la fête. Selon Guadeloupe, la première, l'ambassade de France, une véritable organisation structurée a été découverte. Selon lui-même, selon recherche yo, donc les fait investigation, yo découvri li gagnon entité dans pays Suriname qui impliquait dans sa ka fête là, impliquant un certain Jean Mixon, donc c'est organisateur principal vol yo, un concessionnaire automobile et politicien, son politicien et son marchand de machine tout dans pays Suriname, il dit OK, et organisateur de ces couverts de solidarité des 6 vols charter. Donc c'est monsieur qui est responsable donc vol charter Silayo. Le coût de l'installation des quarantaines, des tests PCR de départ d'Haïti, les visas touristiques, les vols transport, c'est-à-dire visa, hôtel, tests PCR, je dis c'est monsieur qui est responsable tout ça yo. Nous cap comprendre n'ayon investigation qu'a fait. Yo découvri, c'est yo moun qui responsable. Donc coût de l'installation, combien cob ça va le coûter, quarantaine, test PCR pour sortir Haïti, visa touristique, vol, transport et hébergement à l'hôtel sont pris en charge par l'organisateur. Financé par les dons et notamment on connaît combien yo dit dons ça y est. D'après nouvelle yo, yo di don sa a son total de $300 à $400 pas plus. $300 à $400 pas plus. N'attendez. OK. Donc c'est yon seul moun sa a, n'a parlé de Jean Mixon, OK? N'a parlé de Jean Mixon, c'est un seul moun sa qui en charge toute bagaille ici là yo. Donc l'enquête là, li l'ouvri. Par ailleurs, il semblait que le consul d'Haïti de Suriname n'a pas été consulté sur ses arrivées, et notamment sur celles des enfants, soulevant ainsi de nombreuses interrogations sur les conditions de leur voyage ou encore leur destination. Donc d'après toujours recherche yo, yo découvri que consul haïtien li pas au courant des voyages si là de Mounzayo cap vini en Haïti. OK, Antoine Joly, l'ambassadeur de France au Suriname, se déclare inquiet au sujet de ses enfants, précisant que pour l'heure, les vols sont suspendus jusqu'au résultat de l'enquête. Les vols sont suspendus jusqu'au résultat de l'enquête. Vol Suriname, yo campé jusqu'au résultat de l'enquête là. Donc, conclusion, Koulia là. Enquête là, poko, jam terminé. Yo, gon paquet passeport jusqu'à maintenant, pas jam gemet. Si gon paquet passeport poko, jam gemet, ça veut dire qui ça? En pile, suspect, sous question, enquête là, et ça, kembe vol yo. Pi devant, n'a vini pour avec voice qui gagne en pile voice qui non gagne en pile conversation qui enregistré. Donc nous gagne toute conversation enregistrée et nous gagne bon prix volio. OK, bon prix volio, ça veut dire tout ça dit prix vol etc. Nous gagne tout bon prix volio. Donc n'a bay information ça au pi devant, n'a kembe information ça yo. Donc pi devant, si toutefois agence yo pa rive joine l'argent yo, ou même ki gen kòb nan pays Suriname nan men agence, n'te toujours di nou ça un petit peu intelligent, cherche joine agence lan, parce que
90 ou bien 95% agents yo pas Suriname encore, yo quitté Suriname, yo prend route Mexique là pour yo. Pour nan téléphone, oui, yo continue parler nan téléphone avec moun, mais ça pas veut dire pour autant yo Suriname. OK? Ça pas veut dire pour autant yo Suriname. Si ou même ou de yo, par exemple, konnen gen en pile nèg ki États-Unis. OK, qui gagne en pile cob dans pays Suriname, qui achète billet dans pays Suriname, gagne qui la France, qui sont prêt à le faire. On va le déposer plainte, si toutefois pas ka joindre aucun accord, pas ka joindre moun yo, ou a déposer une plainte avec nom complet moun yo, avec photo moun yo, bay photo yo, ou bay nom complet yo et ou praler dans tribunal international. Automatiquement, ou déposer plainte là pour yo dans tribunal international, ou bay nom complet yo ou bay photo yo, make sure that's why moi-même yo n'a pas que me toujours faire gain photo moun nan, gain nom complet pour me connait à qui moun m'a dit. Donc, ou déposer plainte pour yo dans tribunal international, et tribunal international lui-même l'a chargé le dossier a, OK? Donc pour déposer plainte là dans tribunal international, ou capable venir sous site ça. Vin sou site ça là et puis prend contact ensemble avec yo, rempli forme nan en avancé donc ou rempli forme nan yo même tout ou capable rempli forme nan ou prend contact ensemble avec yo même y a prend contact ensemble avant et automatiquement on remet yo dossier hein, y a prend contrôle dossier n'importe côté moun nan yé dans le monde y a joindre ni et y a jugé et ou même spécialement avec enquête ça qui l'ouvre sous question sous question trafic humain automatiquement que nan moment enquête ça pour que jambe ka fait mais parce que pour que jambe ka gen résultat final donc si yo joine agence yo ça veut dire si monsieur pas ta vle remettre kobio parce que pas gen vol ka fait Suriname OK jambe di nou pas gen vol ka fait Suriname et vol ka fait Suriname next time vol a fait Suriname donc c'est pas vol charter c'est un vol commercial d'après toute information k'ap circulé. Donc ça veut dire mais moun ki gen meyo trempé dans dossier ça yo en vraiment suspendu pour moment dépend de la justice de manière que pour joindre yo idée claire sur question trafic humain parce que yo dit ça pas manqué rien pour yo qualifier bagay ça de trafic humain. Donc automatiquement yo accusé de trafic humain dans n'importe côté dans le monde. N'importe monde qui qualifie ou des monde qui a fait trafic humain, c'est pas monde pour jamais parler avec lui encore. Parce que ou qui a fait toute vie ou dans prison internationale. Trafic humain, n'est pas un crime contre un pays, c'est un crime contre l'humanité. Les yo accusé au monde de trafic humain, c'est un cas grave, son dossier compliqué et qui amène monde dans n'importe côté. Donc m'a tourné et n'a continuer faire suite à dossier ça ou m'dou après jeudi ou bien vendredi c'est parce que moi gagne un résultat m'a tande nan men yo il aime jeune résultat nan men yo et puis selon résultat m'a tourné bonne réponse donc selon résultat nous m'a continuer dire ça qu'a fait comment par rapport avec dossier ça nous même ou même tout Suriname ou gagne droit par on va le bord des techniques semaine prochaine et puis on va le donc toute bagaille pour le passer très bien mais par conclusion pas gain vol Suriname et pourquoi gain vol dans pays Suriname tout autant enquête ça li pas abouti. OK, tout autant enquête ça pas abouti. Ça qui fait enquête ça pas abouti pour qu'on gain suffisamment preuve automatiquement gain suffisamment preuve enquête là a abouti autorité française yo a passé à l'action et puis n'attendez rel cap gain kay makorel non pas c'est MPH m'a vive en Espagne moi c'est un citoyen haïtien moi légal en Haïti pour aider moun acheter donc produit si la yo et moi conseiller moun faire tout organisation voyage légal mais tout ça qui pas illégal mettez de côté la dedans donc moi là comme zio ak zoreyou comme pays ça gagne plus que million dollars haïtien la donne et tout monde fait silence pas gagne personne qui a vinn perdu toute l'agence là yo et pour nous même nous pas dit rien toute agence qui Haïti doit comme ça pap gagne vol charter dans pays Suriname et vol qui pral gagne dans pays Suriname le ap gagne vol c'est ap vol commercial pap gagne vol charter encore dans pays Suriname, c'est un vol commercial qui prend le gain.
mais faut que dossier ça li accompli. Non pas encore MPH. Abonnez pour pas jamais manquer information sous channel YouTube Sila. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une autre vidéo pareil. Bye bye.